Salut tout le monde, c'est NicoBell87 et bienvenue pour le stream de la conférence de Microsoft Xbox E3. Vous pouvez pas le voir parce que je vous ne l'ai pas mis tout simplement. Je suis toujours accompagné de Kinder Bruno de la page de la communauté des geeks. Salut Bruno. Salut Nico. Comment vas-tu en cette belle soirée de 15.05? Bah écoute, enfin cette E3 va commencer avec le premier constructeur. Qui est toujours finalement le même, à savoir Microsoft, qui ouvre, on va dire, le bal cette année, même si cependant Bethesda a pris les devants, commencé cette nuit. Après, toi, par rapport à cette conférence Microsoft, est-ce que tu attends précisément quelque chose? Alors moi, de la conférence Microsoft, donc la conférence Xbox, j'attends surtout de voir de nouvelles idées, donc de nouveaux jeux. Suis très intéressé bien sûr par Halo, bien sûr, hein, on peut pas passer à côté. Il y aura sans doute un Gears of War à annoncer, ça c'est clair et net. Hein, ouais. De toute façon, toutes leurs licences sont passées chez d'autres studios, donc c'est dire que c'est plus Bungie qui s'occupe de Halo, c'est plus l'équipe de... Comment s'appelait déjà ceux qui faisaient Gears of War? J'ai plus le nom en tête. Je vais regarder vite fait. Voilà, donc c'est plus les mêmes équipes qui travaillent dessus, donc on va sûrement avoir le droit à des rééditions en HD, à des versions, à de nouveaux jeux. Epic Games, voilà. Et en ce qui concerne l'autre jeu qui est où il ralentit le temps, c'est fait par... je sais plus si tu te souviens. Ah, oui. C'était annoncé il y a quelques années. Tout à fait. Mince. Je ne m'en souviens plus du tout. Attends. C'était un jeu à troisième personne. Tout à fait. J'ai totalement oublié. C'est un seul mot. Oui, sans doute, mais j'ai totalement oublié. C'est vraiment dommage, hein, parce que le jeu avait l'air prometteur, même s'il restait un peu basique. Pour ce qu'on avait vu de gameplay. Et je crois que ça remonte à quelques mois. Ils avaient dit qu'il était repoussé en 2016. Donc là, on verra sûrement une fois du gameplay, puis... Puis l'année prochaine, ça sortira. Mais moi, ce que j'attends surtout de cette conférence Xbox, c'est déjà de savoir ce qu'ils vont faire avec l'Oculus. Quantum Break, voilà. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir ce qu'ils vont faire avec l'Oculus. Est-ce que c'est vraiment sur Xbox, surtout? Parce que durant la conférence Oculus, c'était annoncé pour la version PC, donc avec Windows 10. On sent surtout que ça va arriver sur Xbox, hein, si c'est pas de mimo caché. Ce qu'ils vont faire de leur projet HoloLens aussi, parce que l'HoloLens c'est leur casque de réalité augmentée et pas virtuelle, c'est totalement différent. Donc de ce côté là aussi, je suis très très intéressé de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire avec. Et moi, ce que j'attends surtout, c'est de vrais exclus qui, même si j'ai pas de console Xbox, ça me ferait plaisir d'avoir quelque chose de nouveau. Voilà, parce que Halo c'est l'unième Halo, Gears of War ça sera le unième, hein, ce qui, y en a un qui va être annoncé, c'est obligatoire. Et pas surtout ne pas tomber sur une conférence où ils vont parler d'une heure de Call of Duty. Voilà. Et qui se congratulent aussi pendant une heure. Voilà, qui se congratulent pendant une heure aussi. Ça, c'est. c'est ça, typique, ça. Problème. Ouais, c'est ça. Et tant qu'ils nous sortent pas des chiffres super chiants, ça devrait le faire et aussi. Qu'ils nous endorment, ouais, c'est clair. Ouais, ça devrait le faire. T'imagines, à l'avenir, peut-être l'an prochain ou dans 2 ans. L'Oculus 2 en fait, où on enlève l'écran de devant et en fait on intègre un autre écran, en fait l'écran ça devient HoloLens. En gros les lunettes deviennent multifonctions, à la fois augmentées et à la fois virtuelles. Les lunettes de vue? Bah, les lunettes là, ces appareils là. Ah oui, donc les HoloLens. En fait, ça serait pas plus intéressant dans un futur proche de miniaturiser au maximum le truc et faire en sorte que ça soit comme des vraies lunettes. Oui, mais je pense que vu que Microsoft a l'HoloLens et l'Oculus, il pourrait très bien faire que d'aventure ces deux appareils soient réunis en un seul. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Ils peuvent se permettre, vu que le partenariat Oculus apparemment il a l'air d'être exclusif avec Xbox One Microsoft, et vu que c'est HoloLens et leur technologie. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça serait très intéressant. Bon, en attendant, je vais vous passer vite fait sur l'écran de Microsoft. Comme ça, dès que ça commence, pas de soucis, c'est parti dans l'action. Voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai, déjà, on sait déjà que durant cette conférence, il n'y aura sûrement pas de Bethesda, vu qu'ils l'ont fait hier. Vous avez pu la suivre avec nous. Donc, il n'y aura pas de Bethesda.
Ubisoft, alors, même ils d'ailleurs, leur... excuse-moi de te couper, il s'annonce que le prochain exclusivité de Call of Duty soit passé de Microsoft à Sony. Oui, oui, donc, c'est... En même temps, on peut s'attendre à ce qu'on ne voit pas de Call of Duty pour la première fois dans une conférence Microsoft. Et ça serait déjà un exploit. Mais ça serait... <ouais. rire> Parce que c'est vrai que ça fait depuis de nombreuses années qu'ils ont eux-mêmes le métropole... Comment on c'est dit ça. Déjà Ouais, le métropole, non le monopole. Le monopole, voilà. Et pas le métropole, non mais n'importe quoi. Ça, c'est la fatigue, vous voyez. Toi, c'est la fatigue de Bethesda, ça. Voilà, fatigue de Bethesda, très peu dormir. Ah, ça commence. Ouais, ça commence. Bon, là, on va enchaîner, croyez-moi. Préparez vos popcorn sur différents streams. Je sens un trailer d'ouverture direct. C'est pas... Eh ben voilà. Allez, quand on break, je attends, attends, moi, parce que moi, je suis en retard, moi. Donc, si tu pouvais juste mettre pause et reprendre au moment où ça commence. Et quand je mets pause, moi, ça recharge en direct. Ah, mince. Bon, tu vas devoir te taire le temps que l'on voie ce qui se passe. Je suis vraiment désolé. Voilà, donc ça commence de mon côté. Bien sûr, c'est ça, c'est la magie des streams. C'est jamais au même moment pour tout le monde. Alors, Quantum Break, bien sûr, on... Je stream en étant connecté en 4G avec mon téléphone. C'est assez marrant, c'est que je suis en avance. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis à la maison et... Bon, c'est sûr, hein, qui revoit confirmé. D'accord, bon, s'il te plaît. Ralentis un peu, voilà. Baisse la résolution, je sais pas, ou augmente-la pour que t'aies du retard, je sais pas, fais quelque chose. J'adore la musique en arrière-fond, je sais plus dans quel film elle y était, mais j'aime beaucoup. Bon, ok, Lara Croft... Ok, elle est passée du côté de Microsoft, c'est clair et net, avec un tel trailer. Oui, ça c'est ça, on le savait déjà, ça. Ah, Fable, je crois, ce perso. Oh merde, c'est vrai qu'on n'est pas... Oui, c'est vrai, il y a Fable. Bon, bah là, on peut voir Gear of War, Halo, Master Chief, plutôt. Ouais, voilà. Hein de la et on a bien Halo. Vu Lara Croft, qui était parmi toutes les exclusivités de Xbox. Ouais. Hein. Bon, en même temps, tu sais, sortir le gros chèque à Square Enix... Ouais. C'est assez simple. Ouais, on va forcément voir du gameplay d'ailleurs de Tomb Raider. C'est vrai que je l'ai pas cité dans mes attentes, mais ça me ferait plaisir de voir du gameplay de ce futur Tomb Raider. Oui, mais ce qui est un peu dommage, c'est que c'est une série qui était sur toutes les plateformes. Microsoft en manque d'exclusivité est venu et paf. Je prends cette truc, moi je connais quelqu'un qui est ultra fan de cette série, il est dégoûté. Tout simplement il est dégoûté. C'est clair. Alors je sais pas si tu as vu, mais c'est Bonnie Ross qui vient de monter sur scène. Non, je suis vraiment trop en retard par rapport à toi. D'accord, voilà. Ok, autant pour moi. Donc ça se trouve, ça serait peut-être mieux que tu regardes mon stream pour être en même temps, ça se trouve. Vu que ouais, la 4G, ça va plus vite que... Je pourrais pas commenter en même temps que toi, parce que je serais décalé par rapport à toi. Mets les deux. Tu vois, comme ça, tu... C'est fou d'être aussi décalé. Oui, c'est vrai. Bon. Bonnie Ross. Tout le monde applaudit. On behalf of everyone here at Xbox, it is an honor to welcome you to E3 2015. Bon, and to très continue content d'être the là. Tradition of what this show has always okay, been about. D'accord. The characters, the games and the stories that people love. Ils ont tous des t-shirts verts dans la fosse. Ah oui, c'est vrai, ils ont tous des t-shirts verts. Ce sont tous des figurants. Tous payés pour faire l'ambiance. Non, quand même pas. C'est le goodie, c'est sympatoche, t'arrives, tu t'assois, t'as un t-shirt. Non, par contre, s'il n'est pas à ta taille, t'as un peu les boules. Mais... Et généralement, c'est toujours du XL là, qui te donne. Moi, c'est sûr que ça va à tout le monde. Bon, à déconner, là, on n'a pas eu le temps de bien comprendre. En tout cas, moi, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'elle a dit. C'est Halo 5. Oui, ça, je le savais déjà, mais... Ah, freeze de mon côté. Bah, je suis vraiment désolé. C'est ce qu'on appelle la malédiction des streams. Voilà, quand il y a trop de monde dessus, ça passe jamais. Et hop là, on se retrouve en pleine cinématique si c'est pas magique, ça, on a perdu. Ah, ça c'est bien. Donc tu vas être bien calé par rapport à moi, je pense. Ouais. Donc la qualité est moindre pour vous, mais ça fera pas une grande différence. Ah, on voit Nathan Fillion, voilà, vite fait. Tu en es où, toi? À un endroit où il parle et il y a... Nathan Fillion. Il y a Nathan Fillion qui parle. Voilà, et là, tu vois le casque de Master Chief. Enfin, tu le voyais. Là, je vois une équipe, là. Là, ça tire dans tous les sens, ils sont dans l'espace. Enfin, dans l'espace. Ah, ça y est, on est ensemble, donc voilà. Je change plus la qualité, voilà, donc comme ça, on est parfaitement synchronisés. Là, ils viennent de tomber, là, les quatre. Oui, effectivement. Les Power Rangers, là.
Power Ranger. N'importe quoi. Bah, ils avaient 4 couleurs différentes. C'est vrai que ça se colle. Alors il faut savoir que le jeu sera direct en coop. Du gameplay, ça fait plaisir. Oui, il faut savoir que le solo sera jouable en coop à 4, ouais. Mais il ne sera plus jouable sur écran scindé. Ce Halo sera pas jouable en écran scindé. D'accord. Et c'est ça ce que je vous disais hier. Online, c'est du uniquement online et bien sûr pour y jouer il faut un abonnement Gold. Et c'est vrai que moi ça m'a rendu très triste parce que les anciens Halo ils avaient cette force, c'était que c'était du coop sur écran scindé. Il me semble qu'ils ont ils ont signalé que c'était du fait qu'ils voulaient 60 FPS, c'est ça, ou 30 FPS nativement. C'est pour ça qu'ils ont retiré cette possibilité. J'avais vu ça dans une news. Alors je suis vraiment désolé de mon côté, leur stream il part en cacahuète. Alors apparemment on joue une escouade qui chasse Master Chief. Ouais apparemment c'est ça. On est à la recherche de Master Chief si je comprends bien. Alors déjà on peut voir encore les petits convenants, il y en a un qui a explosé. Alors je sais pas du tout sur quelle planète il se situe. Ouais, en tout cas c'est un environnement urbain forcément. Déjà ce qui est sûr c'est que c'est pas sur la Terre. Peut-être sur la planète des convenants. Allez savoir. Un Guardians qui se... Ok. Qui se réveille. Ça commence à pétarader en tous les sens. Je sais pas si tu en es là. Ouais, moi il vient juste de courir là, c'est en train de s'écrouler. Voilà, là. Le niveau il est en train de partir en... En cacahuète. En biberine, ouais. J'ai voulu rester poli. Bah, on peut voir que ça explose dans tous les sens. Alors, c'est pas pour dénigrer la série. Déjà, je compare le trailer qu'on a vu avec Doom, qui est un FPS, qu'on a vu donc, ce matin avec la conférence de Bethesda, et celui-ci. Je trouve que graphiquement, on est en dessous de ce que Doom nous a présenté. Je sais pas si toi, t'as cette impression. Oui, j'ai Après, cette impression. Le jeu a l'air d'être bien détaillé. En tout cas, les environnements sont bien fournis, il n'y a rien à dire. Mais il y a moins d'effets... Les effets sont moins impressionnants, je dirais. Alors, je suis vraiment désolé de mon côté, c'est le stream, il fait n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Il y a quelques petits effets quand même sympatoches, mais c'est vrai qu'en même temps, Doom c'est très cloisonné, faut pas l'oublier ça. Ouais. Là, c'est un peu moins cloisonné, c'est un peu plus ouvert. Voilà, donc ce sont toujours les ennemis ce sont les nouveaux ennemis du 4 qui sont là. Voilà, c'est ça. Parce qu'avant c'était contre les Covenants uniquement, les trois premiers épisodes. Donc on peut se ressusciter entre amis apparemment, s'il y en a un qui est à terre. On peut se régénérer. Et je sais pas pourquoi de mon côté ça arrête pas de partir en cacahuètes. Le stream même pas apparemment. Donc attendez, je passe en pause, je suis vraiment désolé pour ce petit problème. En même temps, il y a tellement de personnes qui regardent que... Je sais pas si t'as ces problèmes-là, toi, de ton côté. Du tout. Du tout. Parce que moi, j'ai ces problèmes-là. Je suis en médium, je suis pas en source. Et j'ai pas de lag. D'accord, parce que moi, c'est totalement cassé. De mon côté, c'est cassé. Et Microsoft n'ont qu'un lien de stream. Je passe en source donc, pour voir peut-être s'il y a une différence. Non, mais ça change rien du tout. Non, je suis vraiment désolé. C'est parti en cacahuètes, là. De mon côté, on va essayer de rattraper un autre stream. Je suis en source, en effet, c'est de meilleure qualité, forcément. On va essayer de rattraper un autre stream. Pas mal cette super attaque. Le mien est totalement cassé, je suis vraiment désolé. On rattrape un autre stream, bien sûr c'est pas moi qui le gère. Je suis vraiment désolé. Ok, on dirait un Vex. C'est un boss en fait. Attendez, Non, c'est toujours pas revenu de mon côté. On va couper le chat parce que je sais ce que ça fait le chat. Voilà. Apparemment c'est reparti de mon côté. Non, c'est pas reparti. C'est n'importe quoi. Voilà, on va le prendre à partir d'ici. Je suis vraiment désolé. Mais c'est vraiment... Vraiment n'importe quoi. Donc là en fait c'est un trailer. Ce trailer vous le reverrez en tous les cas. Oui, vous le reverrez. Le en fait en gros la scène... Donc le gameplay se terminait par la venue d'un boss, en fait, qui ressemble étrangement à un Vex de Destiny, pour ceux qui connaissent. Et après, il y a le trailer qui s'est lancé.
Ouais, donc ce trailer, vous le verrez, vous inquiétez pas. Au pire, tu le remettras en lien. Oui, c'est ce tu que le je ferai. En je lien. Mettrai le lien et ça devrait passer. Le trailer. Ah, 27 octobre, hein, date de sortie de Halo 5. D'accord. Donc c'est reparti, veuillez m'excuser pour cette coupure, mais indépendant de ma volonté. T'as pu récupérer le stream, c'est tout bon? Oui, c'est bon. Mais je vais aller sur le site de GameSpot pour avoir leur stream. Ouais. Dis-moi où tu en es pour voir si on est encore décalé. Il y a un monsieur qui a une manette dans la main et il parle. D'accord, donc c'est bon. On en oui, c'est vrai, sur le chat, vous dites Forza 6. Oui, c'est vrai qu'il est très attendu. What you're about to see is a giant leap for Halo multiplayer, and it's playable bah, here at E3. Il parle du multiplayer. Oui, apparemment, il y aura le 3, ils pourront déjà y jouer, en fait, sur les bornes, à ce de jeu multijoueur propre à cet escouade là. Ce qui est très très sympatoche. Apparemment, c'est 16 contre 16, si j'ai bien regardé. Il y a des gros mechas, un peu à la Titanfall. D'accord, on peut voir que Warzone, ok. Voilà, ça tire dans tous les sens, bien sûr. C'est du multiplayer, PVP. Les bleus contre les rouges. Comme à l'ère de l'Union soviétique. Après, apparemment, on peut aussi incarner une espèce extraterrestre robotique. Hein. Je connais pas du tout la licence, donc. Je sais pas comment elle s'appelle cette espèce-là. C'est l'espèce qui est arrivée dans Halo 4. Donc une dans fois Halo 4, c'est, ouais, c'est ça. D'accord. 343 Industries qui a repris la licence. Et je pourrais absolument pas te dire le nom. Ah, une nouvelle exclusivité. World Premiere. Alors, voyons voir ce que c'est. Microsoft Studio. Forza 6, je pense. Non, ça serait pas une World Premiere, ils l'ont déjà relancé. Non, Lara Croft. Quoi non, ah non, c'est trop robotisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est nouveau, c'est à mon avis une nouvelle IP. Ouais, c'est une toute nouvelle idée. Bon, c'est que du précalculé pour le moment. From Koji Inafune. Metroid Prime, ok, donc celui qui a fait les Metroid. Ouais. Donc Samus, pour ceux qui connaissent. Plutôt mignonne. Ah, pour le moment, on voit pas grand chose, à part du sable. J'ai vu qu'elle avait de jolies formes. Bon, on a toujours pas vu son visage. J'aimerais bien voir son visage et certaines filles. Donc, c'est un environnement post-apocalyptique, on dirait. Ouais. Encore mais pas. Pas ni... Ah, robot. Un gros robot. Il va se lever, il va tendre une rose. Pour ceux qui ont vu le château dans le ciel, bien sûr. Ah. D'accord. Bon, ce sont les réplicateurs de Stargate. Non, je plaisante. Oh, quoique. Ouais, c'est pas loin, hein. En moins loin. Évolué, on va dire ouais. Ça. Ok, elle a un grappin. Vraiment comme Samus, hein. C'est un clin d'œil, je pense. Mais elle a un grappin. En tout cas, ce que l'on peut dire déjà, c'est que par rapport, vu que c'est le Inafume qui est derrière, par rapport à Metroid, mais c'est pas du tout pareil. Hein. Ok, son robot s'est désintégré d'orbe, apparemment. Ouais. Bah, à mon avis, il doit pouvoir se reconstruire. Ou sinon, il s'est, ça va donner la vie à l'autre derrière. Ah ouais, voilà, il va se réincarner. Voilà. Fait. Bon, j'espère qu'il aura pas le même comportement, parce qu'avoir un comportement de chien sur un robot de 2 mètres, c'est un peu bizarre. Non, ça va. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait évoluer notre compagnon en fait avec plusieurs types de corps? Ça serait intéressant comme style de gameplay. Mmh. Et là il rentre dans l'abri 111. Voilà, c'est ça le secret. Non, ah ouais. Ok, là c'est une grosse araignée. En fait c'est le CSI de Star Wars là. c'est le robot. Ah, on voit qu'il y a plusieurs... Oui, en effet la bulle elle peut la mettre dans d'autres corps hein, apparemment. Record, ouais. Okay. Ça a l'air d'être prometteur. Ouais, tout à fait. Tout à fait intéressant. Étonnant de voir qu'un développeur
fidèle à Nintendo et soit passé du côté de Xbox, même si on sait très bien que Rare l'a déjà fait auparavant. Mais Rare a été racheté. Mais il était à la conférence Oculus, monsieur. Oui, il y était, effectivement. Pour dire à quel point c'était bien d'avoir l'Oculus sur Windows 10. Il a toujours pas grandi. Non, c'est vrai. Ah, on peut voir que Bethesda avait un brassard bleu. Là, maintenant, ils ont un collier vert. Lumineux. Regarde bien dans le public, ils ont tous un collier plus ou moins vert. Ouais, c'est vrai. Certains le portent aussi au bras. Je sens que son t-shirt, c'est un truc qu'il va montrer plus tard. Il m'intrigue, t'as vu? Et c'est vrai, c'est juste ouvert un limite. Ouais, c'est intriguant. Puis c'est bizarre quand même d'être arrivé avec une veste comme ça. C'est ça. Normalement, t'es en costume, t'es chic pour un tel événement. Donc un bon jeu de line-up. Oh pardon. Je t'en prie. Préviens, je t'en prie. Faites mon billet qu'on enregistre. Ah là là. Excusez-moi. Salut les gamers. C'est on est en direct. Excusez-moi. Voilà. La prochaine fois, tu y réfléchis. C'était soit j'attends mes au micro, soit je me mouche. Last year, the team decided to tackle a feature that has been consistently at the top of your request. Le mot One, on voit que Xbox derrière. Ou en même temps, ils ont tout réuni en fait. C'est vraiment, je pense qu'ils tiennent compte des stores. Xbox One okay. Jouera les jeux 360. Xbox One seront compatibles apparemment. Je pense en dématérialisé sur Xbox One. Alors qu'en est-il? Est-ce que les jeux qui ont déjà été achetés sur Xbox One en Xbox 360 en démat seront directement rétrocompatibles sans repasser par la case achat? Attends. Bien, il faudra les repayer en version Xbox One. Bah, vu que tu parlais, j'ai pas eu le temps de comprendre. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, ouais. Donc on peut je pense qu'il y a une rétrocompatibilité avec les achats effectués sur le store. Il semble quand même que ça soit... Ouais, quoi que. Parce qu'il dit backward. Attendez, ils vont expliquer, ils vont le montrer en action. Bon, j'espère qu'en faisant ça, ça va arrêter les définitives éditions, remastered éditions et compagnie. Là, ils vont lancer la démo avec un jeu. Et regardez, c'est son jeu préféré. Mass Effect en Xbox One. C'est forcément une exclusivité. Hein. Non, là c'est... Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Là, c'est Mass Effect, je viens de le dire. Autant pour moi. C'est la version 360, hein, donc c'est-à-dire que c'est doit être le 1 ou le 2. C'est le même que la 360, mais sur Xbox One. Ah. Ouais, il y a les possibilités qui ont été forcément implémentées dans Xbox One sont compatibles avec les jeux 360. Et sur Windows 10. Voilà. Donc ce sont vraiment les jeux en démat. An initial set of backward compatible titles are available today for Xbox Preview members. It will be available for everyone this holiday. Available this holiday for everyone, donc pour tout le monde. Mais il y a déjà des clients premium apparemment qui peuvent déjà en bénéficier dès aujourd'hui, si j'ai bien suivi. Il y a écrit today pour les Xbox member premium. Thanks, Mike. Très grosse annonce en tout cas de la part de Microsoft. Tout à fait. We're incredibly proud of our Xbox One controller. But whether you're a console gamer, a PC gamer, nouvelle manette. Oui, c'est déjà sorti depuis une semaine à peu près. Ils ont rectifié quelques petites choses. Voilà, c'est Xbox Elite Controller. Voilà, elle est plus fin quoi.
Non, c'est, elle est pas vraiment plus fine, ils ont juste retravaillé les certaines touches et tout. Certaines touches, certaines. Ils ont rajouté un, normalement un petit. Voilà, okay, donc un le port 3.5, voilà, un port jack. Voilà. Et ils ont rectifié, il semblerait, c'est le. C'est quoi cette touche bizarroïde qu'il y avait Ça devait être la croix directionnelle, non? Ah oui, eh ben, elle est plus direction, elle est plus, c'est plus croix, ah, c'est ah, en rond. Ah, on peut, intéressant, des gâchettes derrière. Supplémentaires pour les jeux de course simulation. Et les jeux de FPS, bien sûr, aussi. Aussi. Et c'est pas du tout la même version que celle que l'on avait vue. Ah non, rien à voir. Et c'est le un stick joystick, a totalement en fait, changé. Ouais, il a complètement. Ok, on peut switcher les. Okay. En gros, là actuellement, ils surfent sur la mode des burn controllers où les gens font leur propre manette comme ils veulent. Ce qui est très intéressant. Tout à fait. Mais c'est vraiment dédié ça à des personnes qui font de la compète. Ouais, mais. Parce qu'à mon avis, la manette sera vendue plus cher que l'autre. Avec tout ce ah qu'ils oui, rajoutent là, c'est. Ah, compatible Windows 10, forcément. Mm. C'est très intéressant. Le problème, c'est que les gens qui ont acheté leur Xbox One jusqu'à présent, ils vont se dire, mais attendez, je veux la nouvelle manette, moi. Parce que j'imagine qu'il va y avoir des nouveaux packs d'Xbox One avec cette manette intégrée. Oui. Ceux qui ont acheté la manette de base. Ah, tiens, Fallout 4. Ah, Fallout 4. Bon, en fait, ils sont là, Bethesda. Moi, j'imagine du partenariat exclusif avec Microsoft, ça veut dire. Skyrim. Oh, pas forcément. And we're excited to finally bring what's special about our games to Xbox One. We like to build the biggest, craziest game worlds we can. And when that world is Fallout, there's nothing else as fun to build. In Fallout 4, you experience the events of a nuclear war, forced to abandon bon, là, il refait home, le même pitch que hier, tout simplement. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. C'était la même journée. C'est vrai, effectivement. Pour nous, c'était la même journée, en tout cas. This is an enormous dynamic world where you can create any kind of character you want, go wherever you want, and do whatever you want. Player freedom is our number one goal. Ouais, c'est exactement la même chose. Je vais faire un petit test, vu que c'est un truc que vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne. En rediff, c'est du déjà vu. Voilà. C'est exactement du. C'est du déjà vu ça. Ah, je vous ai passé en HD, j'espère que le stream va tenir. Oui, c'est vraiment le même trailer, il y aura la même vidéo qu'on a vu. C'est le même gameplay, c'est la même chose. Et c'est les mêmes explications, la physique a été retravaillée, techniquement c'était retravaillé, l'eau a été retravaillée, tout a été retravaillé quoi, c'est un nouveau Fallout. New gen. Ah bah apparemment vos moteurs, ça ne tient pas. J'imagine aussi forcément. Oui, bien sûr. Voilà, où on peut améliorer sa maison, on retourne à la maison, truc que l'on a déjà vu hier. Voilà. Et pour votre expérience, je pense qu'on va passer sur le stream de GameSpot qui est de bien meilleure qualité. Voilà. Juste pour vous. Voilà, donc avec le système de réponse comme tous les Fallout, c'est du déjà vu ça. Donc c'est un peu dommage. After returning oui, to your neighborhood, you then start exploring this world. There are many people you ah, can meet, chien. As well as faithful companions. Hey boy, le chien, bien sûr, encore une fois. You want to come with me, pal? Okay. Ouf, vraiment très très bien animé. It does feature first-person combat as well as our VAT system. Ah, ça, je me souviens pas de ça. Il y avait là à peu près la même chose, mais pas sur ces ennemis-là, ils l'ont montré sur d'autres ah, ennemis. Ah, le chien là, il agresse, ouais. Ah, cette arme en gold, je l'avais pas vu. Ouais, là, à partir de maintenant, c'est du nouveau. Oui, ça, c'est du nouveau, tout ça. Bon, et vu que Twitch est totalement down, on va rester sur la communication de GameSpot. Voilà. This laser musket is one of our signature weapons in the game. You crank it, and then let it loose. Alors les armes bien sûr qui sont personnalisables à tout bout de champ. Hier il disait qu'il s'était inspiré de ce qu'avait fait Minecraft pour le Craft 6
et qui disait à quel point les gens réussissaient à faire de compacter les choses et d'optimiser les choses, et ils se sont inspirés de ça pour la création des maisons, des armes et des vêtements, de tout. Que pratiquement tout est personnalisable dans ce Fallout. Dites. Voilà, donc l'armure, célèbre armure. Ah, avec une interface, l'armure, ça, on ne l'avait pas vu hier. Il y a une interface sur cette armure. Ouais. Donc, changement de mode de caméra. Hier, on avait vu qu'il avait un jetpack, voilà. Je pense que Tony Stark, qui t'a demandé un copyright pour ça. Ça ressemble vraiment à sa première armure. Oui, c'est vrai. Toujours aussi gore, bon, sur certains points. Ah, un petit monstre qui sort des... Oui, c'est un écorcheur. Voilà, c'est ça. Bah, je baisse un peu le son de mon côté. Alors, toujours la sélection des zones, hein, c'est la même chose. Et la mort. Et ça, c'est sûrement du gameplay pris sur Xbox, je pense, non? Oui. Bon, là, il repart sur la même cinématique qu'hier. Voilà. Tu m'avais dit quelle ville? Chicago, c'est ça? Détroit, je crois que c'est Détroit. Ou Chicago, mince, j'ai complètement oublié. Tu me mets en doute. Tu viens de me mettre un très très gros doute. Many of whom we've worked with for 15 years, going back to Morrowind on the original Xbox. And you know what? We would not be here really without the support they gave us then and the support they give us now. But I have bugged them for the last 15 years for one feature I've wanted. And working together, it's finally happening. As you know, modding is a big part of what we do. It is all about making it your own. I'm excited to announce that mods created on the PC will be able to be transferred, play mods on Xbox One, d'accord. For free on Xbox One. Donc ça veut dire que tous les mods qui seront faits à partir de la version PC seront gratuits pour la version Xbox One. Tous seront compatibles. Par quel point? Sûrement par le cloud. Ou un truc du style, parce que je les vois mal le mettre sur le store Xbox. Mettre les mods sur le store Xbox. On sent forcément le fable. Oui. Good morning. Always great to be here on the Xbox stage, kicking off E3. Ah non, Electronic Arts. C'est Peter Molineux. Je sais plus. Fable, c'est Peter Molineux. Alors espérons qu'ils ne partent pas sur un délire jeu de sport, parce que nous en Europe, tout ce qui est football américain, baseball, on s'en fiche un peu. It helps you do three simple things. Play first, play more, and play for less. D'accord, donc ça c'est leur système qui permet d'avoir les gens en avance suite par rapport à un abonnement. Voilà. En avance, d'avoir plus de contenu et aussi d'avoir des prix plus attractifs sur les contenus. Qu'est-ce que ça va être, un abonnement mensuel pour avoir des remises et du jeu en avance? Non, ça existe déjà ce système. T'as les jeux gratuits, en fait, tu t'abonnes et t'as accès à leurs jeux, quoi, tout simplement. D'accord. Mais là, à mon avis, c'est les nouveautés, ils rajoutent Madden, Need for Speed. Ils auraient dû appeler ça Multipass. Parce que Access. Oui. Ah, donc une cinématique. Donc ils auront accès à Titanfall. Titanfall is joining the EA Access Vault this week. Et cette semaine, il y aura Titanfall, pardon. Ouais.
in the world of Thedas, because later this summer we're bringing Inquisition epic Dragon Age Inquisition to the EA Access Vault on Xbox One. Now let's not forget, EA Access members also get 10% off in the Xbox Store on full game downloads like FIFA 16, in-game content, like FIFA Ultimate Team packs, or the latest expansion in Battlefield. For all of you out there that would love to play first, play more, bon, il redit la même chose, jouer d'abord, jouer plus et jouer moins cher. C'est ça. D'accord. Et pour le 3, le EA Access est ouvert à tout le monde. Just download the EA Access app on your Xbox One and play as much as you want for free. D'accord. Bon, apparemment les gens dans la salle s'en foutent un peu. Ouais. En même temps, c'est pas vraiment une annonce fracassante. Généralement, le 3, on attend des jours, on n'attend pas forcément des sortes de passes ou autre. Oui, on s'en fiche totalement en fait de ça. Plante vs Zombie, Garden Warfare 2. Le premier était très très marrant. Ouais. Donc, nouveaux personnages, nouveaux mondes. Plants vs Zombies Garden Warfare 2 arrives next spring, and here is the exclusive world premiere trailer. Thanks everyone. Next spring, trailer, donc c'est dire spring, c'est quoi déjà? Ouais, il a dit next spring, l'été prochain ou l'automne, non? Non, le prochain. L'été prochain, voilà. Ouais. Voilà, donc ça va reprendre à mon avis les mêmes règles que Plants vs Zombies premier. Zombabia. Et il faut savoir que GameSpot a beaucoup de chance parce qu'ils ont une très bonne qualité vidéo. Donc là c'est du précalculé là pour le moment. C'est sûr. Ouais. C'est fun. Ouais, c'est toujours aussi délire. Avec les nouveaux caractères, là, on peut voir un super zombie et un super épi de maïs. Ouais. C'est n'importe quoi. Avec la petite musique qui colle derrière. On dirait des mignons un peu dans leur expression, dans la façon comme ils se comportent. Oui, c'est vrai. Ils ont les mêmes voix presque. Une orange alien. Oh là 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 là. N'importe quoi. Avec un petit bouclier et tout, les lunettes qui font la classe. Oh là 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 là. C'est what the fuck. Totalement. Ok, ça enchaîne direct avec... Oh, ça sent Forza. Ouais, ça sent Forza, ça. Depuis le début des temps, nous avons voulu aller plus vite. Ou un truc du style. Ah, c'est du Forza, ça. In the following years, the GT not only went on to defend its championship in the race of the century, it dominated the decade. Bon, il dit la domination. Need for Speed. C'est IA. Oui, vu que c'est IA. Ah oui, vu que c'est IA, bah oui. Quoique non, ils sont peut-être. Non, c'est Forza 6. Voilà, c'est IA, ils sont partis. C'est vrai que ça aurait pu être IA, effectivement. Mais ils sont partis entre temps. Alors, bien sûr, avec la fameuse voiture qu'ils mettent comme d'hab. Elle est pas mal. Ouais. Le souci, c'est que ça nous en apprend pas plus sur le jeu de voir la voiture. Ouais. C'est ça le souci. C'est vraiment pour le show, ça. Hein. Oui, effectivement, oui, totalement. Combien ça a coûté, ça, pour mettre une voiture comme ça dans le plafond? Je me demande. Très très cher. À mon avis, très très cher.
Mais là, c'est vraiment pour caresser l'ego des Américains, là. Ah oui, complètement. Totalement. Nous, on s'en fiche totalement de voir une voiture comme ça, en plein milieu. On n'est pas sur place, on peut pas la conduire. On s'en fiche. Alors, Henry Ford III. Voilà. Ford Motor Company. Partnering with Forza allows us to bring the Ford GT to everyone. Thanks, Henry. Forza Motorsport 6 is the most beautiful, the most technically advanced, and the biggest game we've ever built. Let's take a look. Xbox One exclusive. D'accord, donc vidéo, bien sûr. Précalculé. Non, c'est les décors. Ouais, c'est les décors, c'est pas très intéressant. Les environnements, ouais. Et la voiture remonte. Ah, petite musique, bien sûr, qui colle pour... Et là, on voit la voiture qu'ils ont amenée sur le stand en 3D. Chauffleur, ouais. Voilà. De différentes couleurs, bien sûr, qui s'ouvrent dans tous les sens. C'est vrai que c'est très beau à voir, mais là, c'est... On va dire que c'est vraiment le jeu au maximum de ses capacités et pas le produit final. Là, c'est le moteur du jeu. Ah, ça y est, on commence à voir un peu de gameplay vu intérieur. Ouais. Moi, ce qui la pluie a l'air d'être très très bien modélisée. Oui. Oui, la pluie a l'air d'avoir vraiment un moteur. Déjà, c'est une première pour Forza qui est le cycle jour-nuit. 1080p 60 FPS. Hein, ouais, ce qui est très sympatoche. C'est la première dans la série Forza qui est. Le jour et la nuit. La nuit, ouais. La pluie, donc les intempéries. C'est une les première. Les précommandes seront disponibles pour tout. Ouais, effectivement. Bon, ben, je pense que les fans de simulation seront contents de. Ah, petite. Moi, ce qui m'étonne quand même un peu, c'est. 15 septembre. Ah, c'est 15 septembre de cette année. Ouais, ça sort très très tôt. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas eu un temps de développement très énorme entre le 5 et le 6. D'avoir soit une très très grosse équipe ou soit un turnover de développeurs, je pourrais pas. Oula, qu'est-ce que. World Premiere de nouveau. Oui. Namco derrière. Bandai Namco. Sans... Qu'est-ce que c'est donc cela sans les rugs fantasy. Hein. Ouais, ça traîne déjà un cadavre. Dès que ouais, ça traîne un cadavre. Là, d'avoir une armure squelettique. Ça sent le JRPG. Donc encore de la cinématique pure et dure. Au monde dévasté quand même. Ouais, ça sent vraiment l'époque médiévale. Non, je plaisante. Comment? C'est le Mordor. C'est le Mordor, voilà. Vous voyez là-bas, c'était la tour de Sauron. Avec une des tortue ninja. Voilà, et étendue. J'étais enchaîné là-dessus en plus. La retraite. Ouais, c'est ça en plus. Ah ouais, ça sent vraiment. Il y a Saruman là-bas, je l'ai vu. Ouais, la fenêtre. Ah, mais serait-ce un anneau qui est cassé? C'est une grosse couronne. C'est ça. Non, c'est un gros anneau. Ah, il l'a mis. C'est pas le jeu de Quantic Dream? Non, non, je suis bête. Oui, c'est Bandai Namco. Puis Quantic Dream, faire du multiplateforme, c'est pas c'est pas leur spécialité. C'est pas leur style. Ouais. Ouais, mais là, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un monde médiéval, dévasté sûrement par des orques, des trucs maléfiques, des guerres, trucs pas cool, ouais. Voilà, des guerres. Ah, titans, des géants. Des colosses, voilà. Ouais. Qui n'ont pas de visage. Donc c'est l'un des neuf, il a pas de visage. Tout à fait. Un Nazgûl. Voilà, un Nazgûl. Et il a pas de bras aussi. Oula, ça fait un peu Shadow, là, on dirait qu'on peut monter sur son arme. Shadow Colossus? Non. Dans la veine d'un Shadow, ça serait sympa. Ouais, ça serait sympatoche, mais Est-ce qu'il... Ouais, ok, il s'enflamme. Apparemment, ouais. Il est pas content. Seul. Ouais, il est pas content. Tant que sur le train. Vite, une chemise. J'adore ton accent français, je suis comme toi. Je te soutiens. Our Tom Clancy games and Xbox have a shared DNA since the original Ghost Recon shipped on the very first day of the Xbox Live service. Since then,
live players have been among our most passionate fans. That's why I am pleased to announce that Xbox One players will be the first ones to try The Division via an exclusive beta. Ok, une bêta exclusive. D'accord, bêta pour les, exclusive. En décembre pour les joueurs sur Xbox One. Il y a un truc qui me dérange en fait, c'est qu'une bêta normalement. Bon là ça va, c'est un cadeau, mais de nos jours ça devient. Pour fait, ouais. Pour, ça devient trop commun les bêtas. Bon, donc, en tout cas, c'est sûr que The Division ne sort pas cette année, puisque ouais. La bêta sort ouais. En décembre. Par contre, Rainbow Six Siege, lui, semblerait que. Simple, fun, gaming roots blessed with next-gen technology. Oh, next-gen technology. C'est bien parce qu'il prend un accent chinois quand il parle anglais, c'est marrant. Oui, c'est vrai. When Siege comes out, fans of the series will also be able to play the full versions of award-winning Rainbow Six Vegas and Vegas 2. D'accord. Ok, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les jeux Xbox 360, donc les anciens deux, les anciens Rainbow Six, seront compatibles sur le sur Xbox One. With Rainbow Six Siege. Et les deux jeux sont gratuitement. Voilà, sont gratuits pour tout achat de Xbox. Non, c'est pas pour. Il a pas dit pendant que c'était cette semaine. Ah, possible. Je crois avoir compris ça. Bon, c'était très très court, c'était très assez sympatoche. Mais que vont montrer Ubisoft à leur conférence? Je le demande. Assassin's Creed. Ah oui, mais à part ça, ils vont montrer quoi d'autre? un nouveau Prince of Persia. Ah ouais, ça serait sympatoche. Prince of Persia Next Gen Edition Remaster ça. of the Definitive. Mec, tu fais que dire Definitive. C'est pour ce jeu. Pour ce jeu, Rainbow Six Siege a l'air très intéressant quand on est 4. Parce qu'on, ou 5, je sais plus combien on est. Parce qu'on doit, on doit être coordonné, pardon. Ouh, du mal à parler ce soir. On doit être coordonné. C'est une escouade, hein, c'est. Ouais, c'est de l'escouade contre escouade et c'est assez intéressant. Bien sûr, si vous êtes tout seul, ne le prenez absolument pas. C'est pas du tout. Ah oui, c'est du cheap play. Hein. Ah ouais, totalement. Puis vous pouvez très bien tomber avec des enfoirés qui vont jouer solo ou. Mais d'ailleurs, les développeurs, quand ils font ce genre de jeu, ils devraient faire en sorte que quand le jeu est à la vente, qu'ils fassent genre une remise. Je sais pas, pour 5 jeux achetés, t'as, je sais pas moi, un DLC offert. Du fait parce que les joueurs, ils vont l'acheter parce que c'est un jeu propre au gameplay. Qui est une remise à. Je sais, je rêve, mais. Ah, exclusive j'aime Windows 10 et Xbox One, j'aime ma banque, n'importe quoi. Alors, Motiga, je ne connais absolument pas ce studio, qui nous présente un jeu assez. Assez cartoonesque. Tout à fait. Oui, effectivement. Ah, c'est rare, non? C'est rare? Non, c'est pas du tout eux. Meet Your Guardians. Bon, mais apparemment, chez Microsoft, c'est la mode avec les gardiens. Halo 5 ouais. Gardiens, celui-ci avec des gardiens. Alors, encore du coop, A5. Ok, ça reprend un peu le mini-jeu qu'on a pu voir déjà chez Bethesda tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, un Team Fortress-like, quoi. Oui, c'est vrai. Ce matin très tôt, on avait vu un jeu un peu dans cette même genre. Il y a le renard de Disney là. Ah, Robin oui, je vois. Robin des Bois. C'est vraiment et ouais. Ah mais c'est vraiment du Team Fortress like, hein. Y a rien à dire. Oui. Tu poses des tourelles, tu fais. Bon là, ils font apparaître des monstres. Très cartoonesque. Ça n'a pas dû leur prendre vraiment longtemps, à part pour le design des bébêtes. Mais ça peut être marrant, si c'est pas vendu 70€, ça peut être marrant. Parce que si t'achètes ça 70€, mais... T'es... Free to play, c'est gigantique. Ah ouais, ça vient juste d'être marqué, gigantique, free to play. Bêta en août 2015 disponible sur Windows 10 et Xbox One. Très sympa. Vu que c'est un free-to-play, c'est sympatoche. Ah, c'est vraiment un jeu vidéo, ça? Oui, ah, oui voilà, c'est de l'indépendant. Gigantique. Oh, le jeu de soldat de Toy Story, j'adore. Ah, moi j'ai un gros fond noir, là. Ah, bon, c'est revenu. Solus. Alors, Solus... Ah, t'as pas vu le jeu de Toy Story? Si, c'était pas avec des petits soldats et tout, oui. De tous les genres, si, c'était déjà été montré l'année dernière. D'accord. Donc là, on est vraiment dans le jeu indépendant, on dirait.
ou frites au blé, je pourrais pas, ouais. On dirait que... Ah, côté, non, on est dans... Là, on est vraiment dans l'indépendant, là. Et de retour la chèvre. Ouais. J'ai toujours pas compris quelle était cette mode avec cette chèvre. Ah, donc là, Ark Survival. Ah, il y a le jeu Ark, en effet. Ouais. Celui-là, j'attends de voir ce qu'il vaut vraiment. Super hot sur Xbox One, ok. Bon, c'était un peu prévisible. Creating Amazing Games. id@xbox Independent Game @xbox. Là il se rattrape un peu du coup de Sony il y a 2 ans. Ah oui. Là il se rattrape. Vas-y, essaye. Ils ont vu qu'il y avait un engouement pour ces jeux parce que forcément ils sont pas chers et puis finalement ils permettent d'avoir des expériences peut-être plus immersives que le triple A. Bah ils prennent plus de liberté. Plus de liberté et puis voilà, ils vont toujours dans l'originalité. Mm. Que les triples A principalement maintenant ils se ressemblent tous plus ou moins dans chacun de leurs genres. Oui. And it's been awesome to see the level of critical and commercial success developers have already had on Xbox. And we're really just at the start. Now, I'd like to introduce you to some amazing creators whose games are going to be debuting exclusively on Xbox One. Donc une exclusivité Xbox One fait par indépendant. Steve Gainer from Fulbright. Steve Gaynor à gauche. Tacoma. Lunar Transfer Station. Qu'est-ce que cela est peut-être? Apparemment, il y a des extraterrestres sur son t-shirt. C'est vrai, il y a une secoue volante. Ah, ça a l'air de se la jouer un peu rétro, non? Ouais. Avec, on peut voir l'illustration derrière Tacoma. Tout à fait. Alors, voyons voir vidéo. Ah ben on l'avait déjà vu ce teaser. On l'avait déjà vu. Peut-être. Moi je l'ai pas vu. Ça ne me dit absolument rien. Il y a un moment, hein. Mais je sais plus quand, mais je l'avais déjà vu. Bon, pas tout ça par contre. J'ai vu que l'espèce de musée qu'on voit au début. Alors qu'est-ce donc? Un puzzle game? Je sais qu'il y a de la gravité dans ce jeu. Voilà, ben d'ailleurs, la preuve en est. Je pense que c'est dans la même veine qu'un portal, mais c'est qu'avec de la gravité en fait. Oui, c'est un puzzle game. Ouais. Ok, elle parle avec des langages de signes. Mm. Tacoma. Coming 2016. Wouh. Bon, c'est devenu une exclusivité Xbox One, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. HN. C'est pas le jeu qu'on avait vu avec l'Oculus? Non, 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 il n'y avait pas de HN. On reprend des graphismes simplistes, minimalistes, qu'on peut voir du côté de chez Braid. Non, Braid, c'est encore en 2D, Braid, non? Non, non, rien à voir. Qu'est-ce que je dis, Braid? Oui, Brothers. C'est en 2D. Brothers, voilà, parce que Braid, c'est vraiment en 2D, parce que rien minimaliste. Non, non, ça reprend aussi les graphismes du futur jeu Rim. Je sais pas s'il y a un lien avec... Non, il y a aucun lien. C'est assez proche. Ouais, ils ont pas de visage, hein. Ils ont une tête, mais pas de visage, en fait. C'était plus simple. C'est ce qu'ils se sont dit. C'est plus simple à faire, on va pas s'embêter. Alors qu'est-ce donc? Ok, donc c'est un peu de l'exploration apparemment, un jeu d'exploration. Labyrinthe avec des énigmes, j'imagine. Ouh, des ennemis aussi. Eh, ça peut être de l'horreur, non? Un dinosaure? Un dinosaure. Bah ouais, apparemment. Ouais, c'est vrai. C'est très énigmatique. Ouais, tout à fait. Il y a un côté mystérieux. Et le H, il y a un espèce de... Il y a un bonhomme au milieu, non? C'est un bonhomme au milieu, ouais. C'est le boss qu'on vient de voir, en fait. Dire le boss, le squelette. Tu penses? Ouais, qui croise les bras, en fait. Oula. Il y a le chien de... Je suis... l'histoire sans fin. Comment il s'appelait, déjà? Algor? Je sais plus. Alors là, tu me poses une colle. Folgor. Hi everyone. I'm Sherida from Tiger and Squid. Beyond Eyes is the story of Ray, a young girl who, for the first time in her life, has
to leave the safety of her childhood home and go explore the outside world. But being blind, Ray has to visualize the world through other senses. Donc une personne du studio qui va présenter un Beyond Eyes. I made Beyond Eyes because I wanted to share with the world a story of hope. If we embrace the challenges that life throws at us, and if we open ourselves up to new experiences, it's a beautiful world. Ouais. D'accord. Ah, ça reprend le style un peu de Infinition Swan. C'est encore différent. Parce que là, c'est vrai que ça fait peinture. Voilà, le côté peinture acrylique. Mais là, c'est encore différent. On dirait que c'est plus par rapport au son, non? Tu trouves pas? Par rapport au déplacement du personnage, en fait. En avance, on découvre le monde dans lequel on évolue, en fait. On est une espèce d'aura qui, en fait, permet de... C'est assez original. Ouais, c'est original, mais c'est un tout petit jeu, je pense. Petit mais costaud. Hi, I'm Chad from Studio MDHR, and this is my brother Jared. Ok, ils sont frères. C'était l'info du jour. We had no idea that character would eventually be the star of his own Xbox game. At that point, the only thing we were certain of is that we wanted our game to have the look of a 1930s cartoon. And the precision. C'est les tasses, hein. Ok, ouais. C'est Mickey avec une tête de tasse. En fait. Oui, c'est ça. Microsoft, we have brought our sketch to life. Today, we are excited to give everyone. J'attends le crossover avec le jeu où on incarne une brioche. Là. Alors là, faut savoir que ça tape dans le rétro côté visuel, hein, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Pas un problème de stream, pas du tout. Wow, on dirait un vrai dessin animé. À l'ancienne en plus. Ouais, c'est ça. Vraiment un vrai dessin animé à l'ancienne. C'est assez impressionnant. C'est. Il y a un vrai boulot derrière au niveau du moteur. Et c'est fluide, hein, les animations en plus. Ouais, en même temps, c'est de la 2D. C'est, si c'est bien travaillé. Mais tu fais ça jouer à un enfant, mais l'enfant pour lui, c'est un dessin animé. Hein. Sauf qu'il incarne son héros en fait. Hein. C'est ça. Coming en 1936. Ça, c'est bien trouvé. Those last four titles really show the breadth of experiences the independent developers are bringing to Xbox One today. And we'd like to really thank those creators for joining us on stage and sharing a peek at the experiences they'll be bringing to Xbox One and Windows 10. Xbox One now, et I'd like to talk about a new pilot program we're launching for independent developers called Xbox Game Preview. Game Preview is a new type of offering that lets gamers buy and play a selection of games while they're still in active development. Ok, on fait un peu ce que fait Steam, c'est-à-dire des jeux en version alpha. On pourra déjà jouer dès lors qu'on aura précommandé ou acheté, en fait. Ils appellent ça le Xbox Game Preview. This type of early access gaming is already popular on PC. Ça avait déjà été fuité, cette information. D'accord. So every game in the program has a free trial, so you can play it and then make an educated decision on whether you want to jump in early or wait and see how development progresses. We'll be launching a select number of games into the Xbox Game Preview over the next year, including the following titles. The Long Dark by Hinterland. Il cite les jeux qui permettront de qui seront déjà compatibles avec cette Xbox Preview game. DayZ notamment fait partie. Oui, DayZ qui est quand même en développement depuis 3 ans et qui normalement est prévu pour l'année prochaine sur PS4 et Xbox One, normalement. Il y a tous les jeux en 2016, encore une fois. C'est ça. On n'aura rien en 2017, c'est fini. En 2007, arrêtez le jeu vidéo. En 2007 En 2017, arrêtez le jeu vidéo, tout sera sorti en 2016. C'est ça. To talk about his new IP, which is going to be launching exclusively on PC and Xbox One. Please welcome the creator of DayZ, Dean Hall. Bon, le créateur de DayZ. Please remain calm. I want a game that is not a game. I want a game that is a universe. A universe built not on scripts or quests, but on the laws of physics, biology,
and chemistry. A simulation MMO that explores mankind's expansion. Donc une simulation MMO qui explore the chance to be a pioneer in a harsh universe. Un grand univers. With the risk of death, yet peppered with the havens of fortune. For the past year, I have been working with the technology company Improbable to turn my long-term prototype into a reality. It worked. We are the architects of this new universe, but you, the players, through Xbox One game preview and PC, will govern its destiny. D'accord. Donc comme on le disait, Xbox et PC, Windows 10 très précisément. Adrift ? Non, ça y ressemble pas. Je pense pas que ça soit lui derrière. C'est pas ce studio là derrière. Ion. Ok. Donc Coming to Game qui sera dans le. Ah, la conquête spatiale. Ouais, apparemment. Mais c'est pas de la conquête. Ah, quoique si. Des explosions. Tout un réseau de satellites de base. Ok. En fait, ça serait un peu le No Man's Sky d'Xbox en fait. Ouais, c'est ça. Alors, on peut voir une image. D'accord, c'est un homme qui est encore sous forme d'embryon. À l'âge adulte, apparemment. Ouais. Ok. Sous un plastique. Ouais. Un peu comme dans The Island. Ouais. Encore une fois, c'est très énigmatique. Hein. On a vu des stationautes. Des stationautes. C'est vraiment un bref aperçu. C'est très très limite. On peut faire que des spéculations. Ah, je sens le gameplay de Lara Croft. Voilà. Oui, il a la mallette en main. Et là, on sent tous les autres joueurs du monde rager contre lui. Xbox exclusive. Holiday 2015. Holiday 2050. Okay. Donc 2015. Donc c'est pour les vacances de fin d'année pour les Américains. En fait. Ok, c'est du gameplay. Hein. Oui, c'est du gameplay. C'est très beau. Je veux pas le voir jouer, moi. Je veux voir le jeu. Voilà, merci. Bien entendu. Bon, en fait, c'est Uncharted 2. Merde, pardon. Bon, on a encore une fois... s'appelait le... Le guide. Le guide. Ah, je sais plus du tout. Ah oui, mais là pour le coup, si tu montes les montagnes, c'est pareil. Non, c'est ce qu'il disait tout le temps, Oumalaye. Bon, on peut voir qu'elle grimpe... C'est un très très joli panorama. Ouais. Très très joli. C'est vraiment joli, c'est vraiment... La neige est très très bien, regarde-moi ça, la neige. Ça fait plaisir à voir. Les traces dans la neige sont vraiment assez bien faites. Je sais, ce n'est que des détails. Ouais, mais c'est déjà un truc... Pour vous, mais ça signifie beaucoup. Personnellement, j'ai déjà vu ça il y a des années, donc ça me rend pas vraiment très... Bon, il y a le 13 physics encore, hein, avec ses cheveux. Ouais, regarde, effectivement. Les animations de ses cheveux. Alors, voyons voir. Est-ce que ça a réellement évolué par rapport... Bon, elle a toujours ses grappins, deux grappins maintenant. Elle c'est a deux grappins, deux grappins, c'est elle a c'est... tout en deux maintenant, tout en double. Ouais. Donc c'est là pour le moment, c'est à peu près la même chose. Ça grimpe. La caméra est plus dynamique. Mm. Elle se met dans des angles de vue qu'on n'avait pas encore connus jusqu'à présent. Et il y a beaucoup de basculements de caméra en fait. Ouais. Et on peut voir la disparition de toute interface à part la sauvegarde en bas à droite. Ouais. Qu'on voit très souvent, donc c'est-à-dire que c'est le jeu. Les touches de QTE lorsqu'elles chutent. Et ça sauvegarde très très souvent, on peut le voir en bas à droite. Juste au-dessus du logo GameSpot pour ma part. Ah, ils ont vraiment peur qu'on meure. Je sais pas comment elle a fait pour avoir autant d'élan. Faudrait qu'elle m'explique. Ah, tu sais, c'est Lara Croft. Hein. Dans la série Tomb Raider, tu fais tout ce que tu veux. Oh, une ville. Une avalanche. Ça sent l'avalanche, hein. Ça sent le caillou qui tombe dedans.
Moi, oh, c'est elle. Elle avait envie de. Oula! Pour moi, la pute de colonne vertébrale à ce moment. On peut voir qu'ils sont toujours aussi fans de que Lara Croft prenne cher, parce que dans le premier, ouais, c'était un gros morceau dans le foie, là, bien dégueulasse. Et là ça, on dirait que ça continue. Elle n'est pas sonnée avec cette chute là. Non, elle s'est quand même pris une falaise dans la gueule. Hein. Ouais, il semblerait pas. Ah, petit système de balancement. Hein. Ils sont. Ouais. Ça va. Ces mousquetons s'animent hein, par rapport à ces déplacements. C'est bien fait. Ils vont dans le sens de la direction qu'elle influe. Donc c'est dire que le moteur physique est dans les styles d'aujourd'hui. Donc dans la technologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est. Mais je me souviens que la version PS3 360 n'avait pas cette chose-là justement, et que la version PS4 Next Gen en bénéficiait justement. Mm. Ok, on retrouve le. Ouais, ça c'est une mécanique qu'on avait déjà dans le premier Tomb Raider. C'est-à-dire ben voilà, courir après les parce qu'on a des décors événementiels en fait. Scripté hein, mais ça permet d'avoir un rythme. D'instaurer une sorte d'action. Ah, toujours des puffs. Décidément, il y a toujours des puffs d'avion. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que par rapport au premier, on sent. Par rapport au reboot, pardon, par rapport au premier, oui. On sent vraiment que la caméra est vraiment dynamique. Ah, complètement. C'est très très dynamique. Et par contre, on retrouve toujours les mêmes trucs, hein, c'est-à-dire. Ouais, il y a toujours. Voilà. C'est, ouais. Là, ça me fait beaucoup plus penser à Uncharted. Il y a des mécaniques qu'on retrouve. Ah oui. Et l'avalanche qui arrive et elle part pile au bon moment, hein. Ok, elle va au moment où elle arrive, ça s'effondre, c'est assez sympa. C'est vrai. Elle a vraiment pas de chance. Ne sortez pas avec cette fille, vous aurez toujours des problèmes. Moi je vous dis, c'est fille à problème ça. À la boîte jolie, vous fiez pas à son charme. Il y a Anguille sous roche. Ouais, ça va quand même. Elle vient de se prendre une avalanche, elle s'est pris. De gros blocs de verre dans les côtes, ça va, elle s'en sort bien. Mais elle a quand même une chance inouïe à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Elle a perdu son bonnet. Oh, c'est pas très grave ça. C'est ça en fait le scénario du jeu. C'est retrouver son bonnet. Ah. Allons-nous vraiment. La survie va-t-elle être vraiment utile dans celui-ci hein, que ça soit pas du gros bullshit. Ah. Elle est en cellule. Mais elle s'évade. Ah, elle a une nouvelle lumière LED de sympatoche. Ah, c'est le temple de Indiana Jones 3. Avec des lettres et des gros scorpions. C'est vraiment le temple d'Indiana Jones 2, cette fois-ci. On va trouver des enfants quelque part, je le sens. Une grande société avec des enfants partout. Bah, ce qu'on peut dire, elle c'est... a un chien, quoi. Le souci, c'est est-ce que ça va être basé sur l'action ou ça va vraiment retourner au système de plus de d'énigmes. Elle est fan de Michael Jackson. Fan de Michael Jackson. This is it. Voilà, et on peut bien sûr, tous ceux qui n'aiment pas Xbox... 10 novembre. Donc 10 novembre 2015. Que Fallout. Bon bah moi, mon choix est déjà fait, déjà j'ai pas de Xbox, donc c'est vite fait. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les personnes qui ont pris une PS4 et qui n'ont pas les moyens de se prendre alors, une... Alors, c'est un jeu, Battle Roads, qui était sur Super NES. NES, déjà. Mm. Conquest Bad Fur Day, wow, ça fait plaisir. Donc, c'est des licences rares, hein, autant vous dire. Ils ont ressorti le studio rare, c'est déjà pas mal. Ils l'ont sorti de sa veine de malchance, faire des jeux Kinect. Ouais. Voyons voir. Alors ça, Perfect Dark, non mais, alors là, ils font plaisir. Hein. C'est Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Mais le souci, c'est est-ce que les joueurs d'aujourd'hui, les jeunes joueurs connaissent pas ? Ils connaissent pas, mais ce serait bien de leur sortir du placard en version remasterisée. Là, oui, eux, ils valent le coup d'être remasterisés. Parce que justement, ils ne connaissent pas ces licences-là, qui ont été, on va dire, oubliées. Alors, ouais, Viva Pignata. Non, mais c'était pas obligé de le montrer, les gars. Ah, c'est carrément une compilation de jeux, d'accord. En fait, ouais, c'est pas 30 c'est, jeux, 30, c'est... 30 dollars. Okay. C'est un peu comme ce qu'avait fait. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va être traduit enfin. Il était en anglais à l'époque. C'est
Ça me fait un peu penser à la Sega Master Collection. Ils avaient sorti un truc. Alors comme là, ça fait plaisir. Vraiment. Rare replay. C'est vraiment bien ça. Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie en plus réunis en un seul jeu. Compilation. Perfect Dark. Oui, il y en a. Il y a vraiment de très très bonnes licences dans cette compilation. Ce qui fait très très plaisir. Le nouveau logo rare qui est sympatoche. Ah ben, en fait, le logo, il s'est... Ok. Il est fait pour mettre toutes leurs mascottes. C'est ça. And we wanted to celebrate by giving rare fans an iconic collection of rare games. Il a fait un troll de vrais jeux. Une vraie compilation de vrais jeux, il a dit. Ça veut dire que c'est pas des vrais jeux pour lui ce qu'on voit actuellement. And we're ready to do that again. Today I'm proud to give you a first look at a new exclusive game from Rare. OK, nouvelle exclusivité rare. Développeur rare. Allow our players to have unique and memorable adventures together. A shared world adventure game. Un jeu d'aventure apparemment. Set in a fantastical world. Il me semble que ça avait fuité dernièrement, il y a un mois de ça, avec... ça reprendrait un peu le duo de Banjo-Kazooie. Ah non, ça c'était les anciens de Rare qui sont partis, qui ont fondé un Kickstarter. Ah d'accord, autant pour moi. C'est totalement différent. Ok. Ils en avaient marre, à mon avis, de faire des jeux Kinect, hein, ce qui est compréhensible, hein, vu les tollés qu'ils se sont pris et... J'espère que c'est pas un jeu Kinect. Ok, alors. Donc c'est du vrai gameplay qu'on va voir. Hein. En temps réel. Alors voyons voir. Ok, on est vu FPS. C'est un vu FPS, c'est... Apparemment c'était cartoon, hein, vu sa main. Ouais, c'est très cartoon. Bon, c'est pas pour déplaire, hein, le cartoon. Tout à fait. C'est Knack. Oh non, pardon, excusez-moi. Des corbeaux. Ah non, c'est des petits oisillons. L'ambiance, la musique fait un peu pirate. Ouais. Je sais pas toi. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est un squelette. Ouais, un squelette. Oui, avec un sabre, donc c'est pirate. Hein. Ouais. Ambiance assez pirate. Donc ne vous attendez pas à voir des dinosaures, des soucoupes volantes, des armes à feu. Enfin, je pense pas. Ouais, regarde, un kraken sur la pierre. Ouais, ça sent le pirate et tout. Ok, c'est un jeu multijoueur apparemment. Puisqu'on peut penser que c'est le pseudo d'un joueur. Hein. Ouais, oui. C'est multijoueur. Apparemment, c'est du multijoueur. Hein. Ou coop, parce que là, ils sont 4, ou 5. Coop. Ah, ça peut être du coop. Hein. Le joueur qui a son bateau, puis 4 alliés qui viennent. Ouais, c'est ça. Eh, ça peut être sympa. C'est assez sympa. Attends. Ouais, j'aime beaucoup le côté graphique. Ouais, cartoon, cel shading, ouais. Ok, t'ouvres le coffre, ça réveille les morts. Bon, en même temps, tu touches pas alors. Ok, sur les requins, d'accord. Ah, bataille de bateau. Contre d'autres joueurs ou contre de l'IA? Contre d'autres joueurs, contre d'autres joueurs. On a vu des noms. Ok, c'est Assassin's Creed Black Flag. Ouais, c'est ça. Mais en plus cartoonesque. Oui. Et sans doute en moins buggé. Ça fait plaisir de voir Rare avec de nouvelles licences qui reviennent vraiment. Ah, Sea of the Chaves, ok. Voilà. Voleur des océans. Ou l'océan qui vole. Bon, j'ai un doute sur la deuxième prononciation. La mer des voleurs, quoi, plus ou moins. C'est ça, la mer des voleurs. Let me tell you a story. Là, encore une exclu. Ouais. On peut voir la fée clochette en haut à gauche. C'est un nouveau Zelda dans... Ok. Oh, c'est joli. Mais qui est derrière ce jeu? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est rare encore. T'es sûr sortir deux jeux comme ça d'un coup? Ça serait énorme, mais va savoir. Ou alors c'est l'éditeur de fables. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que... Ah ouais, ça peut être fable. Mais c'est vrai que ce que l'on peut voir, c'est que cette année, c'est vraiment porté sur le coop. Ouais. Ce qui est pas pour déplaire, hein, mais... C'est vraiment porté dessus. Alors, il y a des arbres. Ah ouais, ça peut être fable. C'est... Bah, on dirait même fable, non? Je crois. On dirait que c'est fable. De plus en plus, je crois que c'est fable. Xbox One et Windows 10 exclusivité. Free to play.
free to play. Ah ouais, ça se rapproche là. Ça se rapproche de Fable. Fable Legends, je crois, non? Ouais, bah c'est ça le prochain Fable. Mais est-ce vraiment lui? En verdict. Là, c'est joli, vrai que ça y ressemble un peu, mais. Voyons voir. Et ben voilà. Ah bah si. Ah, nous sommes des devins. Élémentaire, mon cher Watson. Voilà, élémentaire. Joining us from Microsoft Studios, Kudo Tsunoda. Microsoft Studio, Kudo Tsunoda. Games like Fable Legends show our commitment. Ok, donc apparemment c'est un jeu en coop à 4 joueurs. Hein. The center of everything we do. Un free to play. Legends is free to play on both Xbox One and Windows 10. Et apparemment on pourra jouer en cross-platform. This means Fable fans running Windows 10 will be able to play with their fellow gamers on cross-platform PC, Xbox One. Et on peut voir que c'est un petit fan de Minecraft. Grâce à son petit badge sur le côté. Exactement. Je vois pas ce que ça vient faire ici, mais. C'est du teasing à moi, ouais, il y a du Minecraft après. C'est pas la bonne manette, ils ont changé de manette. Il y a une mise à jour, Mike, à faire. C'est ça. Elle doit faire 300 grammes la mise à jour. Ok, personne n'applaudit au moment où il voulait. Oui. Je pense que tout le monde s'en fout. Oui, c'est ça. Ça veut dire. We'll bon, bien sûr, ils disent que Windows 10 est la meilleure plateforme de jeu. Donc compatible Oculus et Xbox One. Donc la manette Xbox One sera incluse dans tous les kits Oculus. D'accord. And Xbox One games will be playable on Oculus Rift. Et les jeux Xbox One seront jouables avec l'Oculus. Xbox One games to Rift through Windows 10. Gamers can play the games they love on the newest devices. Microsoft's also pioneering a new era of holographic computing. An era okay, of HoloLens apparemment. The ability to bring holograms sympa into casque. Your real world. In January, we unveiled c'est Cyclope qui doit pas être content. Ouais, c'est vrai, il faut deux yeux. Ah non, mais. Quoique, non. Je parle de X-Men, de X-Men, Cyclops. Oui, oui, c'est pour ça qu'après j'ai rectifié. Mais c'est vrai que. Depuis il les cherche dans X-Men 3, je l'ai vu. Sur la plage. Wolverine les a récupérés, ils ont passé à Microsoft. C'est ça. Pour ceux, l'HoloLens, c'est un casque de réalité virtuelle. Augmenté, pardon. Ouh là là, je commence déjà à me tromper. Mais comment ça va être intégré à ce jeu? Ah, Minecraft, qu'est-ce que ah, avec Minecraft. Teasing. Oui. Teasing. Tu vois, Minecraft 2. Ouais, ça va mal passer au niveau de la communauté, mais... Elle va jouer avec la tablette apparemment, la Microsoft Surface 3, qu'elle tient dans sa main. T'es sûr que c'est pas la Microsoft Planes, là, la tablette qui fait 80 cm de large, qui est vendue une somme astronomique? Elle va y jouer, il y a une manette qui est posée derrière elle et elle a la Surface 3 avec elle. À mon avis, ils vont montrer l'espèce de Smart Glass. L'interactivité qui est en fait le sorte de remote play de Microsoft, je pense. Voilà. Ça sent avec HoloLens. Avec HoloLens, d'accord. Donc c'est de la réalité augmentée. Donc j'espère qu'on va voir ce qu'il va voir. Voyons voir. Ok, la caméra est spécifique. Elle permet de voir exactement ce qu'il voit lui aussi et de l'angle de vue de la caméra. Ils avaient déjà fait le coup à la présentation de l'HoloLens. Voilà. Ok, donc pour le moment, il joue comme s'il simulait un écran plat qui est devant lui. Alors, c'est étonnant, c'est que la caméra filme tout ce qui est virtuel à une très définition, mais tout ce qui est réel est flou. Oui, c'est vrai. C'est très bizarre. Voilà, donc il y en a une, elle est sur la tablette apparemment, et lui il joue avec une manette. Et son casque HoloLens, bien évidemment. Je pense qu'il va le prendre et le téléporter sur sa table. Ouais.
C'est sans doute ça. Create world. Ah non, ah il crée le monde. Il le transporte en fait en réalité augmentée sur la table. Ouais. Ah, ce qui c'est est assez très impressionnant. Sympatoche. C'est assez impressionnant. Maintenant, faut savoir si ça marche réellement. Parce que là, c'est encore de la conférence. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant, mais faut voir si ça marche, hein, parce que c'est. Waouh. J'aimerais beaucoup que ça fonctionne comme ça. S'il donne un coup de poing, ça serait marrant. D'accord, ok. Il y a une sorte de timeline en fait qui permet de contrôler l'environnement sur lequel il veut travailler. Mais où est passé son petit joueur? Waouh, la caméra peut vraiment aller à l'intérieur. Donc même nous, si on plonge notre tête, on voit l'intérieur. C'est assez impressionnant. Bon, ne pas faire la blague du gâteau à la crème. Hein. Donc il demande à ce que la perspective soit augmentée en fait. Mm. Ok. Et tout se passe par la voix. Let's take a ride down to the village. We're going to pick a different perspective. Overview. OK. Voilà, et là on peut voir le monde vraiment très très grand. Est-ce qu'il faut une table adaptée spécifique pour pouvoir faire ça, parce qu'apparemment c'est comme t'es une VR, une carte, une grosse carte à réalité augmentée en fait sa table. Oui, c'est ça, à peu près. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il vient de prendre avec ça, puisqu'on voit pas. C'est vrai qu'il a l'air un peu. C'est un peu bizarre. De le voir bouger la main comme ça sans rien devant. Ok, il demande à ce qu'il soit surélevé le niveau. Voilà. Pour aller dans les grottes. Huge stronghold right underneath. I'm gonna mark that for you. Mark that. Et il peut donner des indications apparemment. I see it, I'm on my way there now. Ouais. Pour lui dire où aller. D'accord, faire péter la ville. En fait, il veut faire un trou pour aller dans la mine. C'est ça. Ouais, c'est un peu de la triche, non? Parce que la personne avec le casque voit ce qu'il y a sous le sol. Ouais. C'est un peu de la triche. Ok, la foudre fait péter les TNT. Ouais. Ah, donc là, ça explose, pouf, fait un gros trou. Comment la lave peut encore couler, il n'y a plus rien au-dessus. Il s'est mis à regarder les petits cochons. Et qu'il a voulu foudroyer les cochons. Qui les a transformés en pigmen. Donc, les créatures du monde souterrain de Minecraft. D'accord. Qui sont bien sûr de méchantes créatures. Mais je suis d'accord, on a vu ce mode, mais ce qui importe c'est créer dans Minecraft. On l'a pas vu prendre un cube, casser un cube avec son doigt. C'est vrai, on a rien vu de ça. Moi je m'attendais à ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il leur manque encore un périphérique dans les mains pour qu'ils puissent se faire ce genre de possibilités? Peut-être. Ou alors il faudrait coupler ça avec le Kinect. Bah, le souci aussi, Garofort. Le souci aussi, c'est comment, face au casque de réalité augmenté, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vrai que ça, on peut le faire aussi avec le casque de. Parce que là, il a guidé le personnage, mais en aucun cas, c'est lui qui manipulait en fait. C'est ça. Donc, c'est juste Garofort Ultimate Edition. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, une compilation des trois premiers. Je pense qu'ils n'ont pas compté le préquel, qui était Judgment. Ouais, va savoir. Ils en sont capables. Hein. Nous, on l'a pas eu dans Uncharted de compilation. Play a beta invalid today. Bon, encore une fois, une bêta. D'accord. C'est toujours sympatoche, mais. Ah, ils vont jouer. Donc, il y a du gameplay. J'aimerais savoir s'ils jouent avec la nouvelle manette. J'ai pas l'impression. Hein. Ah, si c'est la recompilation, c'est une remise en forme. Hein. Oui. Ça, une remasterisation. Ouais, une remasterisation, une remise en forme du jeu de base. Ça m'étonnerait qu'il soit comme ça à l'époque sur 360. Non. Je pense que peut-être qu'ils ont utilisé le moteur. Du suivant qui sont en train de développer. Possible. Si ça se trouve, c'est le nouveau. C'est vrai, quand on y pense. Vu qu'il cache le personnage principal, oui.
Summoner, c'est à nouveau pour faire l'effet de surprise. Eh ben d'ailleurs, je sais pas qui c'est. C'est de la surprise. Est-ce que c'est le héros principal jeune? On dirait, hein. On dirait que c'est le héros principal jeune. Ah oui, on peut voir que si c'est une refonte du premier... Non, c'est pas le premier, je pense pas. Ouais. C'est vrai que ça aurait demandé beaucoup de travail, parce que là, tout est animé. Ça sent le moteur de dernière génération. Ouais, il y a deux lunes. Ok. Ouais, ça sent quand même un moteur très récent, ça, quand même. Hein. Donc, ça se trouve, c'est le nouveau. La lumière avec la lampe qui est dynamique. Mmh. C'est sans doute le nouveau, ça. Alors je sais pas ce qu'il attend. Oh, ça m'a l'air de connaître les pubs. Elle avait soif. Effectivement. Alors à mon avis c'est une IA qui est devant. Hein, toujours bloqué par l'IA pour avancer. Typique dans les jeux. Il y a du vent. Ouais, il y a beaucoup de vent. Ça crie. Ah, et ça bouge sur les toits. Ouais, c'est sans doute le nouveau, ça. Ça c'est obligé. Je pense. Hein. Ah, une tornade. C'est assez bizarre quand même, on dirait qu'il y a des gros cailloux dedans. Mais on dirait quand même que les héros sont beaucoup moins baraques que dans les anciens. Ouais. Ça se ressent. Et là, ils font comment, là? Bah, là, ils attendent le script suivant. La tronçonneuse, okay. Bien sûr. Pratique en cas de... voilà. De porte coincée. C'est, au moins, c'est plus crédible qu'un gars qui donne un coup de poing sur... oui, c'est vrai. Sur un cadenas et qui se casse. Bon, apparemment, cette année, ils adorent tout ce qui est destructible, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en vrai, on le sait tous, on serait tous devant l'IA qui serait à la ramasse derrière nous, hein. Zone très très sombre. Il y a Lara Croft dans le coin, là. C'est sans bibliothèque ou le révise. Moi, ce qui me dérange beaucoup là, c'est qu'on voit rien en fait. Le ouais. Personnage, il est très très il est vraiment énorme. Ils auraient peut-être dû le mettre un poil plus sur la gauche. Il n'y a pas de HUD, donc est-ce que sa barre de vie est représentée par le bleu qu'il y a derrière? Ouais, comme à la Dead Space. Ouais. Ah, ouais, peut-être. Ok, c'est une espèce d'œuf géant, ce qui vient de percer. Bon, les taches sur l'écran qui disparaissent. Bon, il est tout crade maintenant. Il est imbibé, lui. Bon, il est imbibé, ouais. Allez savoir, ça va pas l'infecter, ça. On dirait plus que c'est... tu vois, ça fait des grands filaments comme si c'était un grand tuyau, non? Ouais. C'est trop sombre, hein, je sais pas toi, mais... Ouais, c'est extrêmement sombre. Ah, et là, on peut en voir partout. Il y a toujours la bébête qui doit courir sur les toits, hein. On l'entend. En fait, c'est un centre nerveux. On dirait que c'est plein de veines, en fait. Mmh. Ces trucs-là, assez phosphorescents rouges. C'est vrai que c'est très très sombre. Ils auraient peut-être dû commencer par montrer un environnement un peu ensoleillé. Ouais. Parce que c'est vrai que là on voit pas réellement grand chose. Puis en plus c'est assez facile de faire ce genre de mode, puisque finalement ça maquille beaucoup de détails que normalement on aurait peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un beau maquillage, quoi, j'ai envie de dire. Par contre là c'est très très bien rendu là. Avec le style de carapace. En fait, cette chose qu'on voit là, c'est un facehugger qui a fait un œuf dans un scarabée. Voilà ce que ça donne. Ha ha ha!
Et bien sûr, on va retrouver le bon mot, gros mode bourrin où on tire dans tous les sens. Il lance des espèces de piques empoisonnées avec sa queue. Ouais. On les a vus se planter dans la voiture. Et encore un peu de gore. Ouais. Bon, ce qui est pas pour déplaire. Voilà, je vais dire encore un exercice sur la tronçonneuse. Bien. Mais il s'est fait croquer. Comment tu veux bloquer trois mâchoires? Ah ouais, c'est... Comment? T'appelles trois dentistes. Trois dentistes. Gear 4, voilà, c'était bien le 4. C'est Gear 4, ouais. Oublié au foie. C'est fini. 2016. Bah, il semblerait que vraiment que tous les jeux sortent en 2016, on n'aura rien à se mettre pour 2017. Et cette année non plus, on n'aura rien. Ouais, c'est ça. Enfin, si, alors fin d'année, mais sinon... Oh, y'a Batman qui sort la semaine prochaine. Tu vois, son t-shirt, c'était le t-shirt de Rare. Et voilà, c'est ce que je disais. Ah là là. On revient sur Rare, décidément. Et today, we showed you the greatest games lineup in Xbox history. New and innovative games that speak to the boundless greatness game lineup in Xbox history. Blockbuster franchises you know and love. Trailblazing independent games from a new wave of creators. Donc la nouvelle version de la Xbox aussi. Qui ont interchangé les couleurs. C'est mat à un endroit maintenant et reluisant de l'autre. Forza Motorsport 6, Rise of the Tomb Raider, and of course, Halo. Là, c'est leurs exclusivités dont ils parlent. On n'a pas vu Need for Speed pour... Ah non, oui. Non, c'est Forza. C'est Forza. C'est marrant, on se croirait à Noël avec toutes ces lumières. With an expanded library of games with backward compatibility, new gaming hardware and accessories, access to great games first with EA Access, next generation virtual and mixed reality gaming experience and access to games in early development with the game preview program. There truly has never been a better time to be an Xbox gamer. If you've been waiting to move from your Xbox 360, now is the time. Ah, donc il fait un petit retour sur tout ce qui a été dit durant la conférence, jeu 360 compatible Xbox One. Only a fraction of what's coming to Xbox One and Windows 10 this holiday and next. We have more surprises in store this week on the Xbox Daily Show, including the unveil of a whole new Xbox One user experience and more new games coming to Xbox One. Donc plus de jeux sur Xbox et une expérience accrue pour les utilisateurs. Popular Xbox games and experiences to Windows 10 when it launches this July. Lié surtout à Windows 10, ils veulent vraiment mettre leur nouveau système d'exploitation vraiment sur le devant. Scalebound, Crackdown and new first party game reveals. Thank you for joining us this morning. It's your expectation, your dedication. Et c'est la fin de la conférence. Bon, à mon avis, j'attends une annonce caché. Thank you. Plus il a mis son t-shirt rare, donc je pense qu'il doit avoir un truc. Alors qu'est-ce que c'est donc? Non, c'est un récap. Non, c'est le récap de tout ce que l'on a pu voir durant cette conférence Microsoft qui est terminée. On a pu voir du Gear 4, du Rise of the Tomb Raider, du jeu Rare qui est de retour avec des bons jeux. Hein, parce qu'ils devaient en avoir marre de faire des jeux Kinect. Ouais. Sea of the Thieves. Ouais, voleur des mers, voilà. Il y avait Record aussi que j'ai retenu. Ouais, Yon. Sympatoche. Il y avait Yon, il y avait Yon. Beaucoup. Il y avait assez d'indépendants par rapport aux années précédentes. C'est vrai. De nouvelles IP, donc de nouvelles IP, ça fait plaisir. Ouais, donc là on peut voir du FIFA ou du PS, je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a eu du Dark Souls 3. Dark Souls 3, ouais. Dans Record. Ça, j'ai oublié le nom. Forza. Allô. C'était Record. Aussi la grosse annonce des jeux 360 jouables sur Xbox One. Jeu des maths, hein, je tiens bien à le préciser. Mais est-ce qu'il y a une rétrocompatibilité pure avec ceux qui l'ont déjà acheté sur le market? C'est ça que je veux savoir. Je pense pas du tout. Il faut passer à la case achat. Ouais. Donc là, vous pouvez revoir tout ce qu'on a vu en fait si vous préférez. Ok, ils ont mis Fallout 3 aussi. 4. Pardon. Le jeu rétro aussi qui fait vraiment dessin animé des années perpète, hein. Oui. Je dirais 70 avec les tasses.
1936, ils ont dit. Ouais, 1936. Ils ont racheté en dessous, 75 ans plus tard. Voilà, 75 ans plus tard. Mais non, c'est pas possible. Ils avaient 36. Mis 36. 80 ans plus tard. Ouais, c'est vrai. En gros, ils travaillent à la SNCF. Voilà. Donc, c'est fini, je vais changer parce que là, ça passe sur l'équipe de GameSpot. Et merci à eux pour ce stream de qualité, au moins ils bug pas comme Twitch. Voilà. Moi, c'est nickel sur Twitch. Ah non, moi, ça l'est pas du tout. Enfin bon, bref. En gros, cette conférence, moi, je vais te donner mon avis, puis tu donneras la tienne, parce que c'est bien de partager ça. J'ai bien aimé la conférence, même si elle a pris un peu... On a vu déjà des trucs qui avaient déjà été officialisés. Très peu, hein, encore heureux. Fallout, on pouvait s'en passer, hein, je vous mens pas. Mais c'est plus, à mon avis, pour une mise en avant encore plus grande pour le jeu. Ils sont passés. Je me souviens plus s'il y avait une annonce particulière avec peut-être un partenariat sur des DLC ou. Non, il n'y avait rien. Il n'y a pas eu de Call of Duty. Il n'y a eu aucun non. truc de ouais, DLC bah, donc, en avant. Ça veut dire que c'est sûr, on le verra chez Sony. Ou sinon, on le verra pas du tout. Non, à Call of Duty, je pense que. Ça se voit. Ouais, mais le 3, il demande toujours. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils ont vraiment besoin d'être d'une mise en avant du style E3? Je sais pas. Je pense pas. Je pense que ça serait chez Sony, dans tous les cas. Ouais. Moi, j'en mets la main à couper. Alors, ça ferait chier, est-ce que ça nous perdrait une actualité croustillante s'il passe ça. Ah bon, c'est dommage. On a pu aussi voir du Tom Clancy's Rainbow Six Vegas Siege 2 et tous les autres qui sont compatibles, ainsi que le nouveau Rainbow Six Siege. Je vais faire un mélange de tous les Rainbow Six qui étaient disponibles sur Xbox, hein, comme ça vous démerdez. The Division. Voilà, et The Division aussi qui a été annoncé avec du gameplay, hein, autant dire et ça, c'était du gameplay. Et une bêta pour les joueurs Xbox One en décembre de cette année. Donc le jeu est forcément pas encore disponible pour 2015. Qui sortira donc en 2016. Et encore, c'est pas dit. Et encore, c'est pas dit, parce que vu le downgrade que l'on a pu voir au moment, hein, on va se dire que c'était vraiment très très bas. Hein. On peut voir que je le downgrade a fait très mal. C'était une version Xbox One, du gameplay de la version Xbox One. Hein, ouais. Je pense. Oui, sans doute. Mais ce qui prouve encore une fois que par rapport à ce qu'ils avaient montré, c'est encore une fois Ubisoft sont les pros de mettre un truc super beau. Voilà. ce que je retiens aussi de cette conférence, c'est la nouvelle manette. Je la trouve vraiment sympa. C'est la Transformers des manettes, autant dire la chose comme oui, c'est ça. C'est... Elle a l'air vraiment d'être poussée au niveau de la personnalisation. Ce qui fait que bah, chaque joueur pourra vraiment jouer comme il veut, avec deux nouvelles gâchettes supplémentaires sur les tranches. C'est à l'arrière, les repose-mains voilà. En fait, voilà. Donc pourquoi pas. J'ai vu que les joysticks ainsi que le pavé tactile qui était devenu rond. Le pavé tactile, qu'est-ce que je dis la croix directionnelle voilà. Est devenue en fait une spirale directionnelle. Bah tu changes toutes les pièces en fait, à part les touches. Tu peux changer les sticks, tu peux changer le pad directionnel. Et apparemment on peut même changer le mode de sensibilité. Des gâchettes. C'est vrai, on a pu voir ça. À mon avis, il doit y avoir une retenue ou un truc comme ça. Il active un petit bouton, puis je sais pas ce que ça change réellement. Ça doit peut-être désactiver le ressort. En fait, c'est peut-être le tir par tir, c'est peut-être le coup par coup, ou bien c'est un mode automatique. Je pense qu'il doit y avoir un système comme ça. Ouais, mais je vois pas, t'appuies très rapidement, ça revient même. Oui, je pense que ça c'est une manette qui s'adresse plus aux hardcore gamers peut-être, ou à ceux qui font même de la compète, tout simplement. Voilà, du e-sport. Mais ouais. Après, pourquoi pas, hein. Je pense qu'il y aura. Le client, il a le choix entre une manette normale et une manette comme ça dans son pack Xbox One. Mais il choisit celle-ci. À mon avis aussi, le prix sera plus élevé de cette manette. Oui. Déjà que c'est 60€ une manette, là, à mon avis, on vise peut-être les 80. Je sais pas. Avec 20€ de différence. Je spéculerai pas sur les prix. Je pense. Faut compter plus cher en tout cas. C'est sûr, ça sera plus cher. Ça mais sera de plus quel cher. Ordre. Voilà, je ça c'est sûr. Bah, je suis content de revoir le retour de Rare aussi. Ça fait plaisir. Avec une grosse collection de 30 jeux. Ça y est, on a $30. Pas eu de Kinect. On a eu zéro Kinect. Ouais, et Kinect est mort. Kinect, voilà, donc sachez-le. Vous le foutre à la poubelle. Hein. Ouais, c'est bon. Revendez-le, il est repris 2€. Hein, donc c'est bon. Gardez-le autant. Gardez-le. S'il est repris 2€, autant le garder. Et utilisez-le comme caméra sur Windows 10, hein, parce que c'est... Voilà. Là, ils ont tout mis sur Windows 10.
Voilà, vous pouvez dire au revoir, hein, c'est oui. Mort. Donc, et d'ailleurs, Rare ne fait plus du Kinect, d'ailleurs, ils ont créé de nouvelles IP, qui a l'air sympatoche, hein, Sea of the Thieves, je répète. Il y avait aussi le créateur donc, de Metroid qui a fait The Record, si je me souviens bien. C'est un petit jeu où c'est post-apocalyptique, on voit du sable un peu partout, et il y a de gros robots avec une grosse bouboule qu'on leur met dans le bidon. Ça permet voilà, d'interchanger son corps, hein, voilà, en gardant l'esprit du compagnon qui partage notre aventure. Exactement. Voilà, il y avait aussi le petit jeu là qui avait l'air d'être un jeu d'aventure avec le gros squelette là. Avec le gros squelette. Six chaînes. J'ai pas noté, j'aurais dû noter. On aurait dû noter, effectivement. Sa chaîne, je crois que c'était ça, sa chaîne. Si je me souviens bien. Ça me dit plus rien du tout, toi j'ai déjà oublié le titre. Avec le H et le personnage au milieu là, quand on disait. Oui, oui c'est vrai, c'était un petit jeu d'exploration un peu horrifique. Avec des squelettes et le géant squelette qui sort du sol qui s'est écroulé. C'est ça. Voilà, oui, c'est vrai, ça devait être un truc comme ça. Il y avait un H dedans. C'est vrai que c'était très énigmatique. On peut dire que du côté de la scène indépendante, de nombreux jeux étaient énigmatiques. On a vu que quelques secondes de. C'était même pas du gameplay, c'était plus une vidéo de présentation de. De ce qu'ils veulent faire, voilà. Donc c'est vraiment en tout début de développement, c'est pas du tout avancé. Comme le gars de chez DayZ, qui s'est planché sur un nouveau jeu alors que DayZ est toujours en alpha depuis 3 ans. qui est là aussi, qui se passe dans l'espace, c'est Ion, je crois le nom. Ion. Et qui se passe dans l'espace, avec un système de satellites et tout. Et un humain à la fin qui est congelé sous une bâche en plastique. mais c'est vrai que cette conférence était pas si mal dans la globalité. Elle était sympa, voilà. De nouveau du Forza, comme on le savait bien. Une petite surprise, c'est la possibilité de pouvoir jouer à ces jeux 360 sur Xbox One. Voilà. C'est assez sympa. C'était une très très grosse surprise. Nouvelle manette, nouveaux jeux rares, nouvelles IP. Non, ça va. C'est vrai que c'était une bonne conférence. Ça fait plaisir, donc j'attends de voir la suite. Mmh. Et on est content de ce E3 2015. Ouais, ça a bien commencé avec Bethesda, là ça enchaîne avec Microsoft. Ouais, avec le partenaire Oculus qui sera donc compatible Xbox One, c'est confirmé. Sur les jeux, à part si le Minecraft doit... aussi, j'ai pas cité. Oui, j'ai Minecraft. Bien aimé la présentation, mais j'aurais aimé qu'il pousse plus sur la création dans ce mode. En fait. Oui, on verra bien ce que ça donne, mais moi je. Je pense pas, entre l'HoloLens et un casque de réalité virtuelle, les gens vont vite faire leur choix, ça va être Oculus, direct. HoloLens n'a pas la même frappe, et c'est pas du tout pareil. Ça sera plus limité à mon avis, c'est vraiment plus destiné aux personnes d'entreprise qui conçoit des voitures, des avions, des trucs comme ça pour le voir en vrai. Ouais. Non mais concrètement c'est ça. Faut voir, on est qu'au début de cette technologie, ouais. Donc pour le moment Minecraft... Je pense qu'il s'y prête très bien à ce type de mode de jeu. Mais j'aurais aimé justement le voir en mode création. Pour Minecraft, c'est faut créer, c'est pas un mode où on guide un personnage pour aller creuser un trou. Non. C'est... Ouais, effectivement. Bon, on a bien fait le tour de cette conférence, je pense. Tout à fait. Avec tous les titres qui ont été annoncés. Vous pouvez retrouver bien sûr cette rediff actuellement dans une heure à peu près, je pense, le temps que... YouTube fasse alors, le traitement. Je confirme, apparemment la rétrocompatibilité sera aussi avec les jeux DVD. D'accord, donc très pratique, en espérant que Sony réponde sur ce point-là aussi. Ça serait très intéressant aussi. Voilà. Ça sera, voilà. Et apparemment, il y a déjà des jeux qui sont compatibles pour les membres Xbox Preview. Voilà. D'accord. Donc c'est très très et sympa. Et Mass Effect est déjà confirmé, vous pouvez déjà essayer. Oui, on l'avait vu. Apparemment, on l'avait vu ça. Ils ont fait le test avec Mass Effect et la 3 journée. Donc d'accord. Même les DVD. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour ceux qui ont plein de jeux tout simplement. Mais ce n'est pas une raison pour jeter votre ancienne console, voilà. Tout à fait. Parce que vous avez toutes vos sauvegardes dessus. Parce que rien ne garantit que tous les jeux seront compatibles. Oui, effectivement, comme pour la première PS3 où il n'y en avait que certains qui étaient compatibles. Pas tous. Bon bah sur ce, on se donne rendez-vous dans quelques heures pour la conférence de Electronic Arts, c'est à 22h normalement. Rendez-vous sur la chaîne YouTube, tout simplement, ou sur la page de la communauté des geeks, où tout est référencé aussi. Bon bah, à tout à l'heure, Bruno. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure à ceux qui regardent et qui ont visionné, merci à vous. Tout à fait. À tout.